Salut toi! T'as remarqué? C'est le retour du soleil! Un temps parfait pour se rouler dans l'herbe et faire ami-ami avec des anatidés. Bah des cygnes quoi. Bref, c'est le temps idéal pour faire un pique-nique. Alors accroche-toi à ton panier. Margot et Florette t'ont préparé de quoi customiser tes pique-niques printaniers. Au menu, une grande salade composée pleine de saveurs et de croquants et des wraps de laitue 100% végétarien pour mettre de la fraîcheur dans ton assiette. Pour cette recette, il te faut quelques poignées de mélange mâche-roquette de Florette, une poignée de lamelles de chou blanc, quelques tranches de copa, une bûche de fromage de chèvre, un oignon rouge coupé en lamelles et quelques petites tomates séchées. Pour la vinaigrette, que Margot avait déjà préparée à l'avance, il te suffit de mélanger le jus d'un citron vert, 2 cuillères à café de miel d'acacia, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et une bonne pincée de sel. Commence par mettre quelques poignées de mâche et de roquette dans un grand saladier, puis ajoute la bûche de fromage de chèvre coupée en morceaux. Mets les morceaux de copa coupés grossièrement dans le saladier, puis ajoute le chou blanc. Maintenant, il est temps de t'attaquer à l'oignon. Et ça pique un peu. Ajoute les morceaux d'oignon rouge dans le saladier avec les tomates séchées et mélange bien. Pour la touche finale, arrose ta salade de vinaigrette citron-miel. Tu sens ça? C'est l'odeur du bonheur culinaire qui n'attend que ton palais. Et pour continuer dans le croustille fondant, on enchaîne avec les wraps de laitue à la feta et au radis. Pour 10 wraps, il te faut 200 g de feta, une dizaine de feuilles de laitue, un citron, une dizaine de radis, quelques carottes râpées, 2 ou 3 brins de ciboulette, de la sauce ail ciboulette, sans oublier quelques cure-dents pour faire tenir tout ça. Commence par couper la feta en morceaux, puis aide-toi d'une fourchette pour l'écraser au fond d'un bol. Un Pikachu sauvage apparaît et lance une attaque. Presse ton citron et verse le jus dans la feta. C'est très efficace. Ajoute ensuite la ciboulette ciselée et mélange bien pour bien répartir les arômes. Vas-y franco sur la ciboulette. On n'est pas du genre radin en saveur dans Talk Chef. Maintenant, on va s'occuper des wraps. Commence par couper une poignée de petits radis en tranches et mets-les de côté dans un bol. Dépose ensuite une bonne cuillère à café de feta aux herbes sur une feuille de laitue. Ajoute un peu de carottes râpées, quelques tranches de radis, puis referme délicatement ta feuille de laitue sur elle-même. Si elle se déchire, n'hésite pas à utiliser une feuille de laitue supplémentaire. Plante ensuite un ou plusieurs cure-dents dans ton wrap pour le faire tenir. Remplis une coupelle de sauce ail et ciboulette de Florette pour y tremper tes wraps et voilà, c'est prêt! Il ne te reste plus qu'à tout dévorer avec tes amis ou avec un bon bouquin. Autant être seul que mal accompagné. Allez, n'oublie pas l'écran total, tes lunettes de soleil et ton chapeau. Tu es prête pour un pique-nique inoubliable. À plus dans le bus. Poulet fromage et rouleaux et du papier d'alu végétarien, sauce avocat. Tu n'es pas trop fan de viande, de fromage. Allez, comme Margot, tu es adepte de l'aventure culinaire. Un beau chapeau, les rouleaux de pizza.